Bonjour tout le monde et joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes. Moi je vais faire cette vidéo du coup aujourd'hui pour vous présenter les calendriers numéro 24 et 25. Je vais sûrement vous montrer un petit peu la déco qu'il y a chez mes parents en complément, mais je profite un maximum des fêtes, donc ne m'en voulez pas si la vidéo est assez courte. Mais bref, on va passer tout de suite. Il met la musique à fond, Tom ? Bah, je pense qu'il sait pas que tu filmes. C'est pas grave. Non, il doit pas savoir. Non, c'est pas grave. Si vous entendez de la musique, c'est normal. Il y a du monde autour de moi, il y a du bruit. Il y a mon frère qui est dans la salle de bain qui a mis sa musique à fond. C'est pas grave. Je peux pas les empêcher de vivre, donc on va faire avec. J'espère que ça vous dérangera pas trop, mais de toute façon, on est là pour les calendriers, donc c'est parti. On va commencer pour une fois par celui de chez Look Fantastic, parce que pour celui de Sorcière Box, il n'y en a pas pour le 25. Donc comme ça, ça fera Look Fantastic, Sorcière Box, Look Fantastic. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. Donc on va commencer donc avec celui-ci. Comme vous le voyez, il est un peu abîmé. Alors je pense pas qu'il se soit abîmé dans le transport quand moi je l'ai transporté, parce que j'ai fait très attention. Mais je pense qu'il avait dû être abîmé avant d'être mis dans le calendrier. Ou alors il s'est peut-être plié dans la boîte, je sais pas. Mais bref, il n'y a que la boîte qui est abîmée, donc c'est pas grave. Donc on a un produit de la marque The Ordinary. Donc apparemment c'est un produit à l'acide mandélique, 10% d'acide mandélique et des HA. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, HA c'est l'acide hyaluronique. Mode d'emploi, c'est marqué en français, alléluia. Appliqué une fois par jour, idéalement le soir, peut-être dilué avec d'autres soins pour réduire la concentration du produit jusqu'à ce que la peau devienne plus tolérante. Cette formule ne doit pas être utilisée sur une peau sensible, abîmée ou une peau qui pèle. Évitez tout contact avec les yeux. Limitez la fréquence et la durée d'utilisation. En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez un médecin. Mais c'est que des choses positives, dis donc. Utilisez uniquement conformément au mode d'emploi sur une peau intacte. Il est conseillé d'effectuer un test cutané avant l'utilisation. Pour un guide détaillé sur la procédure à suivre pour effectuer un test cutané, consultez notre site internet. Alerte coup de soleil. Ce produit contient un acide alpha hydroxylé, donc c'est des AHA, qui pourrait augmenter la sensibilité de la peau au soleil, et donc le risque de coups de soleil. Utilisez une crème solaire, portez des vêtements couvrants et limitez l'exposition au soleil lors de l'utilisation du produit et pendant une semaine suivant l'utilisation. Bon, malgré toutes ces choses-là, ils disent que ça cible le teint irrégulier, les irrégularités de texture, les ridules, et que c'est sans parfum. Donc après, The Ordinary, je pense que vous connaissez, c'est une marque qui est assez peu chère, avec des soins qui sont en général de très bonne qualité. Mais c'est vrai que là, quand on lit le, quand on lit le descriptif, ça peut faire un peu peur. Donc après, la bouteille se présente comme ceci. C'est un packaging assez classique, hein, qu'on voit souvent chez The Ordinary, packaging en forme de fiole comme ça. Donc il faut faire attention, je pense que c'est le genre de produit qu'on ne peut pas utiliser donc, tous les soirs comme ils le disent, et où il faut faire très très attention à la lumière du soleil parce que ça augmente la sensibilité de la peau. De toute façon c'est très important de mettre une crème solaire tous les jours, même en hiver, si vous sortez en tout cas c'est important de mettre une crème solaire, ou si vous travaillez face à une fenêtre, ça aussi il faut y penser. Si vous travaillez dans un grand open space avec des fenêtres partout et que la lumière du jour rentre, il faut quand même mettre une protection solaire, c'est important, c'est la première cause du vieillissement cutané. Donc voilà, petit produit de chez The Ordinary, je suis très contente. Après c'est un produit petit prix en général et qu'il va falloir que j'arrive à dompter au niveau de ma peau parce que vous savez j'ai la peau qui est assez, assez pénible. Mais sinon je suis quand même très contente d'avoir eu un petit soin The Ordinary et pour ceux qui ne connaissent pas ça permet de tester. Ensuite on va passer au 24 et donc c'est la dernière case du calendrier de l'Avent Sorcière Box. Nous n'avons pas de 25 dans ce calendrier, chose que j'aurais appréciée quand même parce que je trouve que le 25 justement c'est... Au niveau du 25 où vous avez normalement le gros cadeau, c'est Noël et c'est là que vous vous faites plaisir. Donc pour moi, qu'il n'y ait pas de 25 dans un calendrier qui est que 24 cases, j'ai toujours ce sentiment un peu déçu à me dire, bah mince, enfin, j'ai pas ce plaisir du 25. Donc on sait que les calendriers, par exemple, chocolat, s'arrêtent au 24. Mais pour moi, voilà, dans un calendrier beauté ou dans un calendrier sorcière, j'aime bien avoir un petit 25, ça me fait plaisir. C'est comme si c'était mon cadeau de Noël en plus de tous les autres cadeaux de Noël. Je sais pas si vous voyez ce que... Pour moi, les calendriers beauté, on les paye... Enfin, beauté et du coup, witchy, on les paye tellement cher que pour moi, ne pas avoir de 25, c'est un peu dommage. Donc c'est quelque chose que j'apprécierais si elle fait une nouvelle édition l'année prochaine, d'avoir un 25 et de pas terminer sur un 24. J'espère que le 24 vaut le coup. Hein. Ah, c'est une fiole. Nous avons une potion. Potion solaire à la pyrite, orange, huile essentielle et
pyrite, orange et huile essentielle d'encens. En tout cas, la bouteille est très très jolie. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Potion solaire. Cette potion solaire t'apporte chaleur, boost et énergie. Tu peux l'utiliser pour tous tes rituels qui ont besoin d'un coup de fouet ou si tu te sens fatigué. En enduire tes bougies, mettre quelques gouttes dans le bain, etc. Tu peux aussi en mettre sur la peau, mais je ne suis pas responsable si une allergie ou autre se déclare. Elle est composée d'huile de tournesol, d'orange, de camomille, de pyrite et d'huile essentielle d'encens. Les huiles essentielles sont fortement déconseillées pour les femmes enceintes et allaitantes, blablabla. Joyeux Noël, merci d'avoir adopté un calendrier de l'Avent Sorcière Box, j'espère qu'il t'a plu. Donc, petite potion solaire, je trouve que c'est très bien en ce mois de décembre en fait, pour te rebooster si t'es fatiguée, comme c'est les fêtes, on mange beaucoup, on prend pas trop soin de soi, et souvent on a besoin d'un petit coup de boost après les fêtes, donc je trouve que pouvoir ajouter ce genre de choses dans votre quotidien, ça peut beaucoup vous aider à mon avis. Donc voilà, je suis très contente de cette petite case 24, mais comme je vous ai dit, j'aurais aimé une case 25. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite case en plus avec une pierre ou avec, je sais pas, quelque chose, vous voyez une jolie pierre, par exemple une jolie petite améthyste, vous voyez ? Ça aurait pu être sympa vous savez, les améthystes brutes là, ça aurait été super d'avoir une petite améthyste brute un peu de cette taille-là, vous savez, un truc assez petit, mais... ça aurait été, je pense, la cerise sur le gâteau. Mais je suis quand même très contente de cette petite potion solaire. Et globalement, je suis assez contente de ce calendrier Sorcière Box. On en reparlera dans une prochaine vidéo où je vous donnerai mon avis sur les deux calendriers au complet, où je vous remontrerai tous les produits qui étaient contenus dans les deux calendriers. On fera un petit peu un point sur tout ce qu'il y avait dans les deux. Et on verra ça du coup ensemble. Et je vous montrerai aussi mes cadeaux de Noël. Comme ça, ça fera une vidéo un peu deux en un. Et on va passer du coup au dernier cadeau, celui de chez Look Fantastic, et cette fois-ci c'est le numéro 25, que je n'ai pas vu mais qui est dans une grosse boîte comme ça, donc moi je l'ai juste pris comme ça, j'ai pas regardé dessous, j'ai pas regardé ce que c'était, donc on va voir ça ensemble. J'ai eu un sextoy ! Smart Facial Cleansing Device, donc c'est un appareil pour se nettoyer le visage, de la marque PMD, alors je connais pas du tout cette marque. Vous savez, c'est les appareils sur lesquels, qui ont en général des piles, ouais, batterie AAA, et qui sont avec des petits picots en silicone et qui sont parfaits pour vous nettoyer la peau. J'en avais un à une époque, c'était une Foreo, mais la pile se changeait pas. Et du coup, là, je suis très contente parce que je vais pouvoir me laver le visage en profondeur avec ce petit appareil. C'est marqué tout en anglais, super. Attendez. Alors la PMD Clean Mini, donc c'est le nom de l'appareil, PMD Clean Mini, donc la PMD Mini nettoyante en gros, est un appareil de nettoyage pour le visage qui combine les technologies Sonic Glow et un design compact pour vous donner même le maximum de résultats on the go, donc en gros c'est à emporter, voilà. Il a 4 modes qui sont customisables et une brosse qui est optimisée pour tous les types de peau. C'est français ça, une brosse qui est optimisée pour tous les types de peau ? Je pense. Ouais, parce que je suis en train de traduire en fait et du coup j'ai un petit peu du mal. Adaptée. Voilà, une brosse qui est adaptée pour tous les types de peau. Merci chérie. Donc ils disent, voilà, insérer la batterie, appuyer le bouton power et ensuite vous pouvez naviguer entre les différents modes. Ils conseillent d'utiliser 2 fois par jour pour avoir vraiment un look frais et radiant. Et vous pouvez appliquer la version massage anti-âge pour appliquer tout ce qui est sérum et hydratant. Donc ça c'est super bien, ça veut dire que vous pouvez même appliquer votre crème ou vos sérums avec ce petit appareil. Faudra que je regarde plus en détail la notice et comment ça marche. D'ailleurs, attendez, parce que j'ai pris le petit livret, du coup on va regarder ça. Donc le 24 il est juste ici. Et ensuite donc, nous avons notre petit 25 juste là. Donc voilà, ça ressemble à ça en fait. Ils disent petit mais utile. PMD Clean Mini, nanana, ça récapitule. 7000 vibrations par minute pour lifter et tonifier la peau. Avec une tête ultra hygiénique pour nettoyer efficacement et pour rafraîchir la peau. C'est parfait pour le jour de Noël parce que vous serez capable d'enlever, enfin de nettoyer toutes les résidus de votre make-up festif. Et vous pourrez ainsi vous préparer au mieux pour les événements du Nouvel An. Donc voilà, je trouve qu'on finit en beauté pour ce calendrier de l'Avent Look Fantastic. Je trouve que c'est une super idée. En plus, c'est quelque chose qui est réutilisable. C'est pas un truc juste avec une batterie qui se change pas. Là, c'est vraiment des piles. Donc c'est quelque chose que vous pouvez garder et que vous pouvez utiliser tant que la tête en silicone tient le coup, quoi. Et je trouve ça super.
Oh, franchement, je suis super contente de ce petit numéro 25 chez Look Fantastique. Non, franchement, c'est top. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire pour l'instant de ces calendriers. Est-ce que vous préférez quand il y a 24 cases parce que vous vous dites que Noël c'est l'événement et vous n'avez pas besoin de cadeaux, ou est-ce que vous préférez quand il y en a 25? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous. J'allais vous dire, on se retrouvera bientôt dans des mini-aventures, mais non, c'est le dernier vlog, donc j'espère vraiment que cette série de vlogs vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire ça en commentaire. J'espère vraiment, vraiment que ça vous a plu, parce que je me suis beaucoup investie. Il y a des soirs où j'ai pas beaucoup dormi pour pouvoir vous filmer les vidéos, donc j'espère que vraiment ça vous a convenu et que vous avez apprécié passer ce petit mois de décembre avec moi. On se retrouve très bientôt pour le bilan des calendriers de l'Avent et mes cadeaux de Noël. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut !En gros, beauf. Bonjour tout le monde. Aïe, je me suis fait mal. Ça te fait rire? T'inquiète, hein. Il y a mon chéri à côté qui rigole. Bougie, mettre quelques gouttes dans votre bain. Non, je vais pas y arriver. J'ai eu un sextoy. C'est vrai? Non. Ça ressemble à un sextoy par contre. Regarde. Mais un sextoy ça te remplacera pas. Hein. C'est quoi? Je pense que c'est un truc pour nettoyer le visage. 7000 vibrations par minute. Pour lifter. Oui, je suis sûre que c'est pas un god. Oh, franchement, je suis super contente de ce petit numéro 25 chez Look Fantastique. Qui n'est pas un god. Et on se retrouve pas bientôt. On se retrouve. Oui, on est là. Jette-moi un caleçon, s'il te plaît. Tu peux? Où ça? Tu vois l'armoire, la grotte? Ouais. À gauche, la là. La porte de gauche. Ouais. C'est le fleuric. Il y a mon frère qui se douche, mon chéri qui lui amène un caleçon, tout va bien. Tu veux un dim? Eh? Tu veux un string? Non.